s'agit, on se retrouve pour l'épisode 29 de Monster Hunter Online. Et je vais rien rajouter de ce qui s'est passé sur l'épisode précédent, à part que EDF me l'a mis bien dans le cul avec une panne de courant, ce qui a corrompu eh bien mon audio et ma vidéo. Mais ça, j'aurais fait un petit montage pour t'expliquer lors du précédent épisode. Et on a dû couper du coup en pleine partie. Heureusement, j'ai réussi à tout récupérer, mais avec une qualité un peu plus médiocre. Mais enfin, ça m'a fait un peu chier. Et là on va pouvoir continuer, hein. Logiquement on aurait dû faire un épisode un peu plus long. J'ai pas eu le choix, j'ai pas pu faire plus. J'ai dû essayer de tout récupérer, surtout la vidéo. L'audio, ça va, ça sauvegarde avec Audacity, donc on peut récupérer le projet, mais c'était surtout la vidéo, putain. Mais c'est bon, on a tout rechopé, donc c'est cool. Même si ça m'a bien saoulé sur le coup. Et du coup j'espère que tu m'excuseras la qualité. Et nous on va pouvoir continuer avec ce Shogun Assénator. Je vais garder la GS, puisque j'ai fermé le Rathalos, mais j'ai pas eu de rubis. Bon, j'en ai pas fait tant que ça, mais bon. Ah oui, il y a aussi la petite source là. Je me demandais si ça soignait ou non. Et oui, ça soigne bien. C'est juste qu'en fin de quête, quand c'est quest clear, ça soigne plus après. Alors, on va continuer. Et je vais voir, c'est quoi cette viande là? Je peux rien faire cette viande, elle me bloque. Je peux pas la poser, je peux peut-être l'acheter. C'est bizarre. S'il y en a un qui sait c'est quoi cette viande là, que je peux rien faire, ce serait sympa de me le dire en commentaire de vidéo. Pour le moment je vais la garder. Et du coup on y va pour le Shogun Sénator. Toujours sur la map du volcan, hein. Magnifique map. Zone 4. Zone 4? Bah pourquoi il y a la tête du Gravios ici? Attends, je vais taper dedans, c'est bizarre ça. Ok. Bon bah si tu veux. On va aller dans zone 4. Ok, il y a des gros coquillages partout. Alors, il est où? Ça, peut-être que je tape dessus. Non. Ok, il est juste derrière. Oh les gros. On va charger. Oh par contre putain ouais il est gros hein. Regarde la tête de Gravios, ça fait énorme. Voilà, bonnes attaques par derrière. On va utiliser toutes nos attaques de la GS pour le swag. Et il va prendre cher, et il prend cher d'ailleurs. Hop là. Charge. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Yeah. Oh. On lui a cassé le crâne de Gravios. Putain, il est vraiment dégueulasse comme ça. Il creuse, ok. Vite, faut que je cours, je cours. C'est bon, il sort. Je vais me booster quand même parce que j'ai oublié de mettre la flûte. Voilà. Et laisse-moi tranquille. Charge. Yeah. Ça va. En plus, ça vient. Parce qu'il est gros, du coup, il prend facilement les attaques même si je les charge dans le vide. Ça, c'est super. Wouah. Est-ce que ça va passer? De son attaque. Yeah. C'est bon. Wata. Wata. Et voilà. Premier monstre achevé de cet épisode. Putain, on était trop vite. Et du coup là il a remis une carapace sur son dos. J'avais pas fait attention quand il est sorti. En fait c'était pour ça en fait qu'il avait creusé. Il a juste repris une carapace, il voulait pas taper avec. On va le dépecer tranquillement. Voilà. Et est-ce qu'il n'y aura pas des choses à ramasser? Un petit coquillage. Attends, j'essaie un truc. Là, là comme ça. Je suis un démon ermitor. Je vis avec lui paisiblement depuis des jours. Il ne sait toujours pas que je veux le tuer. Un autre coquillage là-haut. Lui, je pense pas qu'on puisse le faire. Et puis on peut pas les détruire ces trucs, hein. Hop. Est-ce qu'on peut me voir à travers? Ouais, voilà. Coucou. What the fuck. Waouh. Quest clear. Le petit sang du plaisir. Voilà. Et un retour au village. Tranquille. Et du coup, une petite ellipse. Je reviens tout de suite. De retour. Et bah dis donc, tout le monde a envie de m'embêter en ce moment. Bref, on va pouvoir parler à la petite Lily. Oui, Lily Kawaii. Hop. Tu m'as affiché quoi là comme message? Hein? J'aimerais bien savoir...
Le patch hein, qui met toujours du temps à venir depuis cette grande mise à jour. Un truc de ouf. Et en plus, il travaille dessus. Hein. On peut aller voir sur le site. Le mec, il dit qu'il travaille dessus. Mais toujours pas. Hein, parce que j'aurais bien avoir un nouveau patch. Histoire de. Qu'on comprenne le plus des choses. Hein. Voilà. Ok. Et on va y retourner directement. Ah, cet enfoiré. Alors là, j'ai une revanche à prendre sur lui. Avec la GS. Sur l'autre fois, on avait bien galéré. Hein. En même temps, la GS, ouais, c'était pas mal. Mais l'enfoiré, il est resté en mode... je sais pas comment on pourrait appeler ça, mode armor. La première mode armor, c'est-à-dire qu'il y en a un deuxième. Il est resté je sais pas combien de temps, jusqu'à la fin, je crois même. Avant qu'on le bute. Donc il est resté super longtemps, du coup on pouvait que rebondir, à part si on faisait des attaques chargées. Et comme ma GS, eh bien, n'avait pas de bon tranchant, eh bien, on lui faisait pas beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'on a pris autant de temps. Alors je pose ça, toujours ce steak que je garde. Et puis let's go. Hop. Petite vengeance. Là tu vas prendre cher. Je l'espère. Ne parlons pas trop vite, hein. Après il nous arrive des malheurs. Et là, piou. Coupure de courant. On me fait chier encore. Ouais non, c'est bon, on y croit. Oups là, oups là, oups là, ça, ça, et ça. Zone 9, zone 9, zone 9, oh, bon, c'est dans le désert. Voilà. On va prendre notre petit breuvage chaud. Qu'on nous a donné, pas utiliser le nôtre qu'on a acheté. Déjà qu'il me reste pas beaucoup. Que c'est toi, toi? Il est fou, lui. Ils sont chiants, hein, saleté de j'aime près. Ah, elle est là. Viens par ici, toi. Te retourne pas comme ça, je vais faire une bonne grosse attaque chargée. Direct dans ta tronche. Oui, tout petit en plus. Enfin, je le trouve petit, moi. Voilà, 1429, tu joues mal le Mario. Yeah. Oh, c'est là qu'il est vachement faible, hein. Dès qu'il a pas mis son armure, il est vachement faible au coup. On regarde, du 600 et quelques alors que c'est une attaque normale. Esquive. Et on va charger. Ah, bouge pas, non, mais non. Viens, 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 viens. Laisse-le venir. Ah, il voudra pas. Que c'est Benji. Viens. Ouais, c'est bon, on va le défoncer celui-là. Yo, dans la tête. C'est tout? 2159, j'aurais cru plus. Ah, là il va commencer à mettre son armure. Et c'est là qu'il a commencé à résister. Eh ben, tu l'auras pas. Enfoiré, va. Il a pas eu le temps. Oh, le pauvre. Oh, là c'est toi qui a été en PLS, mon gars. Il allait le mettre, hein. Bon, on l'a tué avant. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Arrête. Une acéphalose, va. Bon, bah, du coup, on va plutôt bien avancer dans l'histoire, hein. Et dans les monstres. Je me demande d'ailleurs si on va passer sur des épisodes un peu courts. Sinon, on va trop en voir. Et d'ici là, on finira le jeu trop vite. Oh, je pense qu'on va y aller tranquillement. Paisiblement. Et il y aura tout ce qu'il faut là où il faut. C'est. Alors, poupoupoupoup. Ok, ok. Ok. Et logiquement, vous aurez ces épisodes. Lorsque je serai en vacances. Mais je reviendrai très vite. Hein, donc il n'y aura pas de soucis, logiquement. Il y aura des vidéos. De quoi faire. Il est où l'autre? Il est là. Salut. J'ai fini ta quête. Merci. Et merci.
plus, qu'est-ce qu'il fait chaud en ce moment, c'est un truc de ouf. Du coup, j'essaye pas trop de m'exciter ou de m'extasier sur le jeu, parce que sinon, je vais vite attraper chaud, je vais être en sueur. Et comme je prends jamais à boire, et comme j'y prends jamais... Voilà, quoi. Attends, j'ai ces petits boosts là pour le chat. Je peux lui mettre ou quoi, mais... Ouais, mais j'aime bien cela, en fait. Je crois que c'est un truc de soin, ça soigne de la défense. Donc on va lui ça comme ça. Hein. Hop. Je pose tout ça. Oui, aussi. Et encore un Rathalos. Ok, bah si vous voulez. On va regarder la GS, hein. Je m'excuse si pour le moment j'ai pas d'autres armes, faudrait que je forme tout ça. Mais la GS tranchant violet, ça fait mal, hein. Surtout que j'ai 182, 183 d'attaque, juste qu'il y a de l'affinité qui est un peu négative. Bah c'est pas grand chose. Un petit 15% je crois. Mon arme. 182 et moins 15%, ouais. Ce qui me fait un total de moins 18% avec je sais pas quoi. Il y a un truc qui me donne moins 3%. On y va, Rathalos. Encore, toujours au volcan. Je crois qu'on a été au désert pour le Doomestrian. On va voir ça. Je pense que ce sera le volcan. Hein. Ouais. J'aime beaucoup cette map ici. Touk 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 et touk. Voilà. Ah, t'es stylé toi. Je trouve que t'as la classe. Infiltration. Une zone prédéfinie, zone 4. Hein. Bien entendu. On a découvert une belle cinématique d'ailleurs. Précédent épisode. Hop, et cette fois-ci, je vais me booster parce que j'oubliais à certains moments. C'est bien, tourne-toi. Ce qui serait cool, ça serait un protège-tympan là-dedans. En fait, c'est un protège-tympan. Tu mets un bon gros coup chargé dans sa gueule. Déjà qu'il crie deux fois. C'est ya. On va taper sa queue. Et on le fait tomber. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger directement, mais l'attaque arrière, pour lui faire mal. Yeah. Oh. Oh. C'est passé quoi? Non. Oh non. Tu vas pas me dire qu'il y a un Yopre, il m'a... Je sais pas, j'ai pas vu l'animation de mon personnage, je crois qu'il y en a un qui m'a frappé. Ça m'a ralenti. Enfin, ça m'a arrêté complètement mon attaque, alors j'ai mis un gros coup chargé. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Tombe. Je vais refaire la même. Parfait. Cette fois-ci, tu me la mets pas à l'envers. Bon, du coup j'ai perdu du tranchant. C'est pas grave. Yeah. Merde. Dommage. Ah bon. Mon chat qui le bute. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai touché son aile au lieu de sa tête sans faire exprès. Je sais pas d'où je l'ai touché, mais bon. Et il boxe dans le jeu, hein. Parlons pas de Monster Hunter Génération, parce que les hitbox des monstres, s'il te plaît. Les trucs, genre par exemple, je prends le Rathalos, il va courir. Il y a environ 2 mètres de vide entre toi et lui, et bien ça va te toucher. Et ça, c'est le jeu lui-même. Ils ont fait ça, je sais pas pourquoi. Et ça, c'est pour tous les monstres. Ils ont craqué leur slip. Les hitbox qui te touchent pas, c'est comme le plaisir qui fout le coup d'épaule ou le coup de queue. Alors que t'es en dessous, t'es beaucoup plus loin que la hitbox de base. Mais non, ça te nique la gueule. Et après tu pleures en buvant tes petites potions si tu ne meurs pas. Petits insectes. Voilà. Oui. Quest clear. Très bien. Oh là là, les bugs qu'il y a à la fin là. Quand il y a quest clear, la map. Attends les cigales. On sent le sud, l'été. Le Coca Light. Merci. À ton tour. Jeune petit puceau. Hop. Hop. En ce moment on fait des épisodes de show un peu plus tranquilles, un peu plus détente. Je dis, hein, c'est l'été. L'été, on est un peu plus rabolo.
toute façon, on refait aussi quelques monstres qu'on a déjà fait. Un peu plus de vie, un peu plus puissant, mais bon, comme on a fait les Elite Quest, le niveau change beaucoup, hein. Hop. Un Diablos. J'ai des messages verts qui apparaissent, je sais pas c'est quoi. C'est des points? Je sais pas. Ah oui, tiens d'ailleurs. J'attends que on finisse de manger. Allez. Voilà. On a le petit event en ce moment. Ce truc là. Donc est-ce que j'achève des trucs de ce truc ou pas? D'ailleurs, 3, 0 sur 3. Là, faut que je fasse un truc. Est-ce que si je prends ça? Ok, ça m'a mis dans les quêtes. Et je peux pas en prendre plus. D'accord. D'ailleurs. Monoblose blanc, ça. Bref. Un petit cadeau. Je prends. En attendant que la connexion se stabilise. Voilà. Et on va poser et on va pouvoir y retourner. Hop. Et on aura fini ce lock du coup après. Ouais. C'est le Diablos et on aura fini ce lock. Bon, je vais pas prendre de pompes soniques. Peut-être des pièges? Je sais pas. Ils sont pas résistants les monstres. Hein. Allez, j'en. Pourquoi je peux pas? Ah bah ok, j'ai déjà sur moi. Ok, c'est très bien. J'avais rien posé. Hop. Hop. Et hop. Comme ça, on va mettre un petit piège. On va bien lui bourrer dans les fesses. Son point faible. La déchirure anale, hein. On lui dit, ça fait mal. Quand on va taper là-dedans. Et il devra bien souffrir. Ok, c'est le jour. Ça me paraissait bizarre. J'ai eu l'habitude de la nuit ici. Hop. Putain, c'est quoi cette tavernière là? Mimine. On va aller là-haut. Salut. Oh non, pas vous. Dégagez. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger avant. Comme ceci. Voilà. On l'a bien blessé. Je vais essayer de placer un piège. S'il m'emmerde pas trop, c'est... J'aime prêt. Laissez-moi tranquille. Arrête. Wouhou. Je vais souffler. Non, c'est bon. Et viens par ici. Allez, fonce. Wow. Ok. Allez, fonce, mon petit. Voilà. Et là. Non. Ne me paralysez pas. J'ai du mal à taper en dessous, hein. Ça tape au-dessus. Voilà. Tête. Sec. Ah, ça rebondit les petites attaques comme ça. Et oui. Hop. On recharge. Voilà, c'est... Heureusement j'ai évité son coup de queue, hein. Hop. Doucement. Ça j'ai compris cette attaque. On recharge. Dès qu'on peut charger avec la GS, hein, faut vraiment le faire, hein. Ça fout les dégâts. Voilà. Oh les monts, je te jure, ils prennent trop cher. Oh. Je pense que aussi dans le jeu, c'est tranchant violet, hein, le maximum. Mais putain, la Jastic Rex. C'est abusé, hein, pour le moment. Je verrai ce qu'il y aura plus tard, mais... On fait mal. C'est moi ou j'entends un grésillement? Tu l'entends? Quand je me barre, j'entends plus? Quand j'approche du Diablos? Attends. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si on l'entendra au montage lorsque tu regarderas la vidéo. Comme le son elle est un peu plus baissé.
Parce que le jeu, il met un son quand même extrêmement fort. Hein. CF premier épisode, alors déjà j'avais baissé le son de beaucoup. Ah bah les sons, c'est pas compliqué. Hein. Vu comment il paye. Ok. Hein? Excuse-toi. Ça me rote à la gueule comme ça là. Oh. Oh oh. Oh, you're a sexy. Mais Rome, c'est pas ici. Hein. Il y a Mimine à côté. Ça fait du bien de voir de nouveaux personnages. C'est entre Lily, le puceau Obélix. Voilà quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 0 sur 3, c'est un truc à ramasser. Donc, log 18, on est. Ce qu'on a fait. Un iodrome. Je pense qu'on a le temps de le faire, hein, large. Oh! C'est du Doom ça. Attends, c'est lequel? Allez, stylé! Je vais garder mon Rathalos. Juste pour le bonus. Bon, je vais pas manger. Je s'en bats un peu les steaks. Et directement, on va aller le faire. Voilà. Puis on avancera ce log 2. Enfin, log 15. 15, 16, 18. Pff, je sais plus. Je fais pas attention en fait. Je vois les chiffres, mais je fais pas super attention. Enfin, on fera ce log là. Plus en détail lors des prochains épisodes. Hop. Parce que là, c'est pas mal la découverte de cette nouvelle map, même si on l'a compris à force de la mettre. Zone 6, zone 6, zone 6. Oh, t'es un peu loin. On va passer par là. Et petit Apséros. Vraiment stylé cette map. Par ici, breuvage frais en 6. Et direction là-haut. C'est par là. Le boost. Wow. Wow, 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 y a du monde. Alors là, attends, on va se calmer. Y a un peu trop de monde. Mourez. M'en fiche du poison. M'en bat les steaks. Juste, voilà. Vous allez clumser. Hein. Vous allez m'embêter. Pendant que je tape papa. Violence conjugale. Arrête. Hop. Ça va, le poison n'a pas duré longtemps. On va charger. Oh le pauvre. Hop. On charge à l'envers. Et on lui met dans la gueule. Putain, dommage, j'ai fait. Eh oh, ça va se calmer les espèces d'échecs critiques là. Sick. Attaque en arrière. Pas de touche. Je fasse gaffe parce que là c'est un changement de map. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais mon tueur père? Hein? Voilà. J'ai que moins 15 et pourtant j'en fais pas mal. Hein. Ça c'est ma chance hein, de l'habitude. Voilà. Tranquille. Hop. Alors si je laisse les cinématiques, hein, c'est fait exprès, hein, c'est pour la miniature si jamais je prends une image, parce que sinon ça, je suis obligé de prendre directement l'image du jeu et pas d'une cinématique, et du coup on voit le texte, la carte, tout ça, et du coup je dois bien zoomer dessus et ça rend une miniature un peu plus moche. Les strats, on les connaît. C'est une chose à ramasser ça? C'est de la toile. Je prends. Voilà. T'es chaud toi hein. Lol. Ta gueule. Voilà. Et on te ramasse. Oh l'enfoiré. Ça peut toujours être intéressant. Même si ma boîte est commence à être pleine. Mais il me faut des boîtes bleues. Il me faut des boîtes bleues. J'arrive pas à en avoir. Je sais pas.
Ok. On va voir le prochain monstre. Et puis on va s'en arrêter là. L'épisode est encore court, mais cette fois-ci c'est moi qui le veux. Hop. Et en plus, comme je sais que certains d'entre vous sont aussi en vacances ou qui veulent profiter d'aller dehors. Ou profiter du truc du moment, la Pokémon Go. Hein. Je vais pas débattre moi là-dessus. Mais j'ai mon avis. Hop. Et c'est pas celui de tout le monde. Hein. Oh! Un nouveau monstre! Est-ce qu'on le fait pour cet épisode ou je le garde pour le prochain? Allez! Je le fais. Rien à foutre, je le fais. Touk. Voilà, c'est bon. EDF l'a mis dans le cul dans le précédent épisode. On va faire un nouveau monstre pour celui-là. Et après, on se quittera. J'adore les changements de plan comme ça, les petits imprévus à la fin. Oh, on doit se quitter. Ah, bah finalement, non. Il y a un nouveau monstre, on va le faire. Je passe tout ça avant. Les pièges. C'est bon. Ok. On y va. Donc ça c'est le merde. Kongalala de feu. Feu la 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 la. Lave la la la. Kongalave. Je sais pas. J'ai pas son nom là. Non bah attends, nouveau monstre quand même, on peut pas se quitter. Ça va Ergo? Est-ce que tu as bugué comme l'autre fois? Oh bah je ferai, j'ai pris. On y va. En zone 6, encore. Le plat. Du coup, je vais passer par cette zone là-haut. Comme c'est des petits bouts de map, ça va être le chemin le plus rapide. Ah, mais j'avais pas vu! Enfin, toi, tu l'as peut-être vu. Moi, je l'avais pas vu. On peut passer directement ici. Je me suis fâché pour rien. Breuvage frais. Parce que l'autre il monte son cul. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dû affronter du singe ou du poulet. Ah, il est pas un cri. Ok. La musique. Ça rend tellement bien. Tiens! Wow. Wow. Ouh. C'est stylé ça. Le cri. Est-ce que si je tape dedans ça lui casse ou est-ce que c'est dur? J'essaie de taper dedans. Non ça passe. On rebondit pas mais. T'as fini oui. Tourne-toi. Tu veux pas? Eh ben je tape dans les fesses. C'est toi qui le choisis hein. Aïe. Un peu violent, hein. Tiens! Je pense qu'on peut lui casser. Je vais essayer de lui casser une main. Wow. Ça va, je te connais un petit peu maintenant avec mon stand de génération. On t'a fait pas mal de fois. Dommage, j'ai cru qu'il aurait fait un petit saut sur ma gueule. Oh. De nouvelles attaques! Nan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 
c'est quoi? Bon, j'aurais peut-être pas dû placer là-dessus. Ça va me exploser la gueule. Mais si. Allez, viens dans le piège. Allez, vas-y. On le sent bien. Petite potion. Voilà. Et tout dans la tête. Ah si, tu vois, je rebondis. Mais on l'a tué. On l'a tué en rebondissant. Hein. Hop. Ça va, sympathique comme, comme monstre. Ça change, hein, les têtes de glace. Maintenant, les deux laves. Mais lui aussi, il grésille. Ils ont quoi ces monstres à grésiller? Yeah, on capte mal la radio ici ou quoi? Putain, il a une bonne mèche. Il y a quoi faire là? Non mais c'est bizarre, je sais pas, ça grésille quand je m'approche des monstres. Je l'entendais pas ça avant. Peut-être dû à la mise à jour? Non, ça rien. Bon, on va regarder le décor en attendant que ça se finisse. Putain. Ni d'un Monster Hunter sur console de salon. Sérieux les gars. Il faut faire sur console de salon, pas sur portable. D'ailleurs, Ergo a la même mèche que le feu, là. Congalada de feu. On va aller du skiwuté avant. On va t'encore dans la gueule, niveau 44. Parfait. À ton tour. Hop. Ok. Ah, la petite Lily. Toujours, hein, je m'occupe toujours de ton cas. Mamie honnête. Hop là. Et après. C'est des rébobras, ça, on est d'accord. Juste une petite chose de rébobras. Ok, bon, j'espère que t'auras apprécié cet épisode. Et je donne rendez-vous pour l'épisode 30. Putain, déjà l'épisode 30 de Monster Hunter Online. On va continuer. Oula, les boosts là. Ouh, je vais voir tout ça, je vais voir ce que j'enlève. Allez, sur ce, porte-toi bien. Kiss Love Cœur. À la prochaine. Et passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bisous.